Bonsoir pour nous tous qui branchez TNH. Bienvenue dans le journal. Là. Nous allons démarrer tout de suite avec le prévisionniste Wilner Polidor pour condition temps. Bonsoir Wilner, dis-nous qui je sais. Merci tout le monde pour fidélité nous avec attention. Nous allons comment condition météorologique là pour aujourd'hui à sous région Caraïbes là. Gayon onde tropicale qui a traversé le pays d'Haïti en ce moment à Paléa. Et on dit ça, le fait que l'app évolue dans un environnement qui est plus ou moins stable, il n'y a pas gagné trop d'activité convective parce que l'activité convective est trouvée à l'arrière de Onsa. Et c'est pour ça aujourd'hui on a gagné quelques activités là sous département sud-est, l'ouest, Artibonite avec Sainte en fin d'après-midi et en soirée pour jeudi. Mais pour temps sensible, au cours de journée, c'est un temps cap ensoleillé sous pays d'Haïti avec vent cap soufflé au cours de journée. Mais en fin d'après-midi en soirée, j'en nous saute dit là, gagne quelques départements qui t'as supposé gagne quelques averses isolées avec quelques coups de l'orage. Et j'en nous là, c'est département sud-est avec l'ouest, Artibonite et le centre avec l'autre département qui a gagné quelques gouttes isolées, si tout sous relief yo. Mais dans l'ensemble, c'est un temps cap clément au cours de journée avec quelques averses isolées et quelques coups de l'orage en fin d'après-midi et en soirée. Pour capitale avec zone qui avait un lieu, c'est un capital aussi qui gagne quelques activités convectives en fin d'après-midi en soirée, mais au cours de journée, là, n'a pas gagné tant cap ensoleillé sous capital avec zone qui avait un lieu. Et aussi avec vent cap vent et tout, n'a pas senti effet de vent yo, mais n'a pas commencé à gagner quelques convections en début de soirée au Colombie. N'a pas gagné quelques averses isolées avec quelques coups de l'orage sous capitale là avec zone qui avait un lieu pour jeudi. Pour la mer, nous avons une mer qui est agitée sous non seulement côte nord pays d'Haïti et côte sud parce que la mer est agitée près des côtes, mais au large, elle est forte et c'est pour ça que nous avons des en pile précaution sous côte nord avec côte sud, mais golfe de la Gonave, pas gagné trop si capable de naviguer pour jeudi. Et nous avons une page astronomique, nous sommes là, couché jeudi à 6h41 et là, levé demain matin à 6h39. Merci pour fidélité avec attention. On a croisé demain pour l'autre page météo. Bonne fête de journée ou bonne soirée à chacun de vous. Merci Wilner et bonne fin de journée à vous-même tout. Dans l'actualité, à porte-parole président Martin Denis Chandler présenté bilan diverses activités président République l'a organisé pendant deuxième journée voyage li dans New York. Porte-parole la cité intervention chef l'État dans Climate Week, yon nan gwo rendez-vous divers acteurs politiques dans mode lan ki chita sou moyen ki dwe pran pour faire face à conséquences dérèglement climatique là dans mode lan ak nan ti état ki sou zile yo. Li te question tout dans conférence ça des rencontres président Jovenel Moïse avec président américain Donald Trump te fait lundi soir sous coopération en deux pays. Martin Denis Chandler a banou plus détail. Mais une partie plus importante discours là, eh bien c'était une proposition d'une nouvelle approche de production énergétique que l'a faite le pays d'Haïti. Proposition ça s'allier, eh bien c'est d'utiliser les énergies propres, les énergies vertes et lui expliquer en un discours là, eh bien mais qui ça en tant que président pays d'Haïti, lui-même l'a essayé faire, l'a proposé faire et l'a mettre sur pied l'affaire production énergique là qui a utilisé essentiellement énergie solaire, c'est-à-dire énergie à partir de soleil. Qui a utilisé l'énergie vent, c'est l'énergie éolienne là, et qui a utilisé tout l'eau pour produire courant dans le pays d'Haïti. Pour l'autre partie très importante, tout le discours ça, eh bien, c'est que le président Jovenel Moïse invitait, eh bien, tout homme d'affaires étranger pour y prendre en compte aspect ça, le changement climatique là, qui c'est important, sont pour y utiliser énergie verte là, pour pouvoir coller avec dans affaires production énergie, dans utiliser ça nous énergie propre, énergie verte là. C'était donc un plus gros événement qui était passé avec l'activité officielle président Jovenel Moïse côté il était participé la Climate Change of New York City côté il était fait discours ça qu'il était présenté problème des désastres naturels dans le monde dans la Caraïbe côté il était présenté tout lui-même en tant que président de la République solution et proposition li joindre pour une production énergétique en Haïti qui utilisait ça les énergies propres là énergie verte là à travers soleil à travers vent et à travers l'eau et que côté il était
fini par inviter tout homme d'affaires yo pour venir investir dans le pays d'Haïti dans affaire production courant en utilisant ces énergies vertes. Nous avons dit tout que le président Jovenel Moïse a continué l'activité officielle. Il a participé à la réception qui était offerte par le président Trump. Il a participé tout avec la première dame de la République, là, Mme Martine Moïse, la réception ça à côté président Jovenel Moïse. Il a joué un titan pour parler avec le président Trump sur la coopération entre deux pays. Yo. Jeudi, mardi 25 septembre, nous avons dit que l'activité officielle président Jovenel Moïse dans le cadre de participation dans la 73e session ordinaire Assemblée générale des Nations Unies à poursuivre. Côté matin, il a participé sur invitation président Trump à une session du Conseil de sécurité sur la contre-prolifération nucléaire, chimique et bactériologique. Il y a un plus gros événement jeudi à tout que président Jovenel Moïse Ladan, c'est que l'ICEY est l'orateur principal Concordia Annual Summit. Concordia Annual Summit, c'est un autre gros événement qui a fait en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Côté, eh bien, il y a des gros mondes qui ont pris des décisions dans le monde, dans le domaine public, dans le secteur privé et dans le domaine des ONG qui participaient à un gros événement. Ça, eh bien, président Jovenel Moïse a participé, jeudi, à le Concordia Annual Summit. Côté, eh bien, intervention, il a surtout déroulé autour de préparation au désastre dans le développement d'Haïti. Je nous connais, gestion des désastres naturels et résilience pays d'Haïti, eh bien, sont éléments qui sont très importants pour permettre pays noir, lui-même, il fait face à la situation saillot dans le cadre de développement. Nous devons dire que je jeudi à tout, après le marquer pour une rencontre bilatérale avec John G. Sullivan, qui est secrétaire d'État adjoint des États-Unis d'Amérique, pour aller tout, une session de haut niveau sous stratégie d'investissement transformationnel en Haïti. Et enfin, président Jovenel Moïse invité à participer à une réception à Soya qui est organisée par Center Global Health Diplomacy. Président République la Jovenel Moïse participé mardi 25 septembre là dans Concordia Annual Summit dans Manhattan qui déroulait sous thème préparation des actions dans développement Haïti. Chef l'État a présenté politique environnementale équipe l'IA appliquée dans pays qui centré sous énergie propre à programme reforestation qui impliquait mise en place 100 germoplastio dans 10 départements pays côté gain 3 centres qui déjà fonctionnel. Une fois encore chef l'État mettait accent sur dérèglement climatique la gagné sous Haïti et spécialement sous classe défavorisée. Suivez extrait dans le micro, Sabine Jean-Étienne avec Jean-Aël Duvernay. Je profite de l'occasion pour féliciter les responsables de Concordia pour leur leadership remarquable dans l'organisation de cet événement. Le gouvernement haïtien renforce graduellement la gouvernance en matière de gestion des risques et désastres. En ce sens, le gouvernement a élaboré un cadre légal pour le renforcement du système national de gestion des risques et désastres et la promotion de la direction de la protection civile en direction générale de protection civile. Haïti dispose d'une stratégie intersectorielle de surveillance pour réduire sa vulnérabilité aux désastres et catastrophes naturelles. 5 stations hydrométéorologiques ont été installées dans le lit de 5 rivières du pays, ainsi que 7 stations sismologiques placées le long des failles majeures et mineures du sud et du nord. La recherche est encouragée dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes, tant sur le plan scientifique que sur le plan opérationnel. La population devient de mieux en mieux préparée depuis le séisme du 12 janvier 2010. Un appui considérable est donné à l'application de la stratégie sur les risques sismiques adoptée en Haïti en 2011. Le renforcement de certaines institutions techniques clés, comme le Centre
national de l'information géospatiale, le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics et le bureau des mines et de l'énergie à travers l'unité technique de sismologie permet au pays de disposer de l'information géographique actualisée et des données fiables en temps réel. Le système national de gestion de risques et désastres privilégie de plus en plus l'approche multirisque, ainsi que l'établissement de forums de dialogue entre les ministères, la société civile et le secteur privé, afin d'assurer la cohérence de la politique de gestion des risques et des désastres dans les plans et les programmes de développement. Mesdames, Messieurs, la politique environnementale à l'aide des sources énergétiques propres. Je veux parler du solaire, de l'éolienne, l'hydroélectrique et la biomasse. En effet, Haïti est une terre abondante qui est abondamment ensoleillée. Dans les collectivités les plus reculées, le gouvernement haïtien encourage la création de micro-réseaux électriques à base de sources d'énergie propre. Un projet pilote pour une petite communauté à l'extrême sud du pays, jumelant à la fois le solaire, l'éolienne, l'énergie thermique, permet d'envisager la reconversion totale de la matrice énergétique utilisant exclusivement les sources d'énergie propre. L'autre dossier, ministre Kilti à communication Jean-Michel Lapin, installé nouveau directeur général ministère la dirigé à Yves Penel mardi 25 septembre 2018 là. Cérémonie ça organisée en présence secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis, directeur général BNEA Erol Josué, directeur cabinet ministère Pradel Enriquez et plusieurs cadres dans ministère Kilti. Dans occasion directeur général tout neuf ministère Kilti à communication à Yves Penel prend engagement pour travailler sur une politique culturelle dans le pays. Il y a un extrait dans le micro, Pakisset Kwa, Agdarli, Laurent Jean-Jacques. Nous l'installons donc officiellement dans ses fonctions ce matin. Il est un pays connu, peut-être pas conquis. À lui dire, à lui de faire la conquête. En fait, ça appelle à sa vision, sa compétence, sa poigne et bien souvent son intelligence pour réussir. Il a la chance d'avoir une équipe bien rodée qui saura l'aider à faire fonctionner la machine. Notre expérience sera à son service et ne lui sera pas marchandée. Il pourra compter sur nos conseils et nos directives. Merci en effet au président de la République, son Excellence Jovenel Moïse. Merci au Premier ministre, M. Jean-Henri Séan. Merci au ministre de la Culture et de la Communication, M. Jean-Michel Lapin, ici présent. Merci d'avoir fait choix de moi comme directeur général de ce ministère, qui a la responsabilité de la politique culturelle de l'État et qui a une mission sacro-sainte au niveau de la prise en charge tant de nos artistes, de nos opérateurs culturels que du secteur culturel haïtien en général. C'est donc avec joie, Monsieur le Ministre, que je me retrouve aujourd'hui à vos côtés comme renfort, comme soutien, comme collaborateur dans l'application de la politique culturelle que vous aurez à mettre en place au sein du gouvernement, et ceci pour notre pays. Mon pharmacien, mon bouclier, mon conseiller, c'est sous thème ça, Association Pharmacien d'Haïti, organisée mardi 25 septembre 2018 là, yon colloque dans l'occasion Journée Internationale Pharmacien yo. Activité ça qui fait en présence différents représentants partenaires APH, t'es occasion pour participants yo réfléchir sur ensemble problème y'a rencontré dans secteur et puis dégager puis bon stratégie cap aider yo résoudre problème ça yo. Nous invitons à suivre.
Médicaments qui vendent tout partout sans contrôle, contrebande, contrefaçon. C'est quel point participants ont soulevé dans le cadre de colloque dans l'occasion Journée internationale pharmacien. Activité ça a été occasion pour responsable association pharmacien d'Haïti ensemble avec l'autre monde qui fait déplacement, faire proposition, chercher solution appropriée à problème secteur rencontré. Dans l'intervention, l'un des participants, Martin Eli, fait qu'on est un pharmacien, c'est pas un boutiquier. Mais c'est un conseiller, un bouclier, d'après l'explication Libaï. Le pharmacien, c'est un bouclier, c'est un conseiller, c'est un outil que li, que, pour aider à aboutir le traitement, yo, pour aider que les jeunes aient bon prestation de soins, que leur prestation en main, ils sont capables de joindre un service qui assure une bonne sélection des médicaments, c'est-à-dire que plus bon médicament, ils le joignent à bon dosage là. Ok, on est capable de parler avec médecin yo, que le gain médecin famille ou médecin hôpital que tu sorti à pour assurer que je recevoir bon dosage là, bon traitement, que pas aucun erreur qui fait la prescription yo. Sous côté l'autre problème qui gagne, automédication, c'est un gros danger tout d'après responsable à PHO. L'homme on apprend antibiotique plus longtemps que possible, mais pas prendre pour assez temps. Distance, les cas viennent développer en maladie, en infection qui part à guérir avec un antibiotique qui est disponible dans le pays à Kounia. Au monde qui fait attention, au monde qui fait sucre, quand il prend un médicament sucre qui mal prend, sucre qui a monté mes hauteurs ou bien sucre qui a descendu trop bas, qui fait que les cas tombent dans la rue et n'est pas qui malheur qui arrive. Donc, automédication, c'est extrêmement dangereux et faut que la population connaisse que les pharmaciens pour là, la pharmacie que vous êtes habitué à acheter, qui vous connaissez, la tente nous pour le bon service, pour le rendre service. Puis loin, responsable PHO explique qu'il n'est pas facile pour les pharmaciens de faire travailler aujourd'hui à cause de problèmes ressources humaines qui posaient et puis des autres qui ont fait dans le secteur. Le président PHO, Pierre-Hugues Saint-Jean, explique que ça, c'est un moyen tout pour faire pression sur l'autorité concernée pour plus de contrôle dans les affaires de vente de médicaments dans le pays pour protéger la population. Le secteur a un problème de ressources humaines, je vais expliquer là. Quand c'est des pharmaciens que nous avons, il n'est pas suffisant. Parce que sa pharmacie apporte comme input, donc, mais quand c'est que la pharmacie que nous avons n'est pas suffisant, parce que sur chaque 5000 habitants, il faut avoir un pharmacien. Donc, malheureusement, quand c'est que nous avons ces 350 pharmaciens actifs, il n'y a pas qu'à répondre avec 11, plus de 11 millions d'habitants. Donc maintenant, c'est continuer à former pharmaciens de manière à ce que pour nous, ça prend un petit temps pour former un pharmacien. Ça prend un petit temps. Et par exemple, pour un pharmacien sorti là, il prend 5 ans. Et ça prend 6 ans. Il prend 6 ans très prochainement. Ok, parce que avec 6 ans, on va sortir avec un docteur en pharmacie. Ok, donc ailleurs c'est comme ça. Donc en France, tu fais 6 ans. Si tu veux faire une spécialisation, tu vas faire 3 ans. Donc tu vas faire 9 ans d'études. Donc pour sortir avec un pharmacien, c'est ton parcours. Donc maintenant, imagine qu'on vient un professionnel qui fait tout le temps ça à étudier. Le rivet qu'on a, c'est là que le rivet principal est respecté. Ou pas qu'à, et peut-être dans situation, il n'y a pas qu'à faire du travail ou bien. Donc obligé à faire pression sur le ministère là. Responsable à PHO explique après Chita Palissa, il y a sortir avec un manifeste qui a défini les recommandations qui fait yo. Yo prévoit rencontrer avec l'autre acteur dans le domaine nan pour chercher puis bon stratégie qui a aidé yo à atterrir les recommandations. OMLH lancé mardi 25 septembre 2018 là des journées formation dans hôtel Marriott sous programme modernisation l'état PME 2023. Plusieurs cadres dans fonction publique là avec l'autre membre dans société civile participer dans première journée activité ça. Nous invitons suivre. C'est en balidé ça, Office Management et Ressources humaines nan, organisé deux journées séminaire sa yo, 25 et 26 septembre nan, nan l'idée pour partager à acteurs concernés yo, dernier avancé à étape qui franchit, dans le cadre d'élaboration programme modernisation l'État. Chef gouvernement qui était présent dans l'activité ça, rappeler réforme l'État fait partie d'une priorité président pays. Il fait qu'on est, l'État continue à accompagner le travail OMRH dans le programme modernisation l'État. Le président de la République n'a cessé de marteler que la réforme de l'État était l'une de ses priorités pour les 5 prochaines années. De son mandat, certainement, mais pour les années à venir aussi. Récemment encore, à l'occasion de mon installation, il m'a rappelé à l'encofort l'importance qu'il y accorde en mettant l'accent sur le travail remarquable de l'OMRH, notamment en ce qui concerne la modernisation de l'administration et la rénovation de la fonction publique. Mesdames et messieurs, ces deux journées de travail consacrées à la finalisation de PME 2023
principalement par les directeurs généraux et directrices générales, les directeurs et directrices de ressources humaines, les directeurs et directrices des affaires juridiques, appuyés par nos partenaires techniques et financiers, sont le lieu pour corriger les faiblesses relevées dans la mise en œuvre successive des deux précédents programmes cadres de réforme de l'État, PCRE 1 et 2, et orienter l'administration et la fonction publique vers les objectifs d'efficacité et de meilleurs services à la population. Coordonnateur général OMRH, là, Dr. Josué Pierre-Louis, expliquait objectif séminaire ça visait finaliser programme PME 2023, limander contribution aux fonctionnaires non élaboration programme ça pour enrichir contenu séminaire. L'objectif de ce séminaire est de finaliser le programme de modernisation de l'État 2023 qui a été élaboré de façon progressive et itérative, c'est-à-dire étape par étape. Vos contributions en vos rangs et rôles respectifs, directeur, directeur général, coordonnateur, coordonnatrice, aux fonctionnaires, DRH, experts, expertes, permettront sans nul doute d'enrichir son contenu. Ce document se veut un référentiel majeur pour l'élaboration et la bonification duquel le génie créateur et les lumières de chacun de nous sont fortement interpellés. Séminaire finalisation programme modernisation l'État PME 2023, Joanne Bourad de l'Agent, programme Nations Unies pour développement PNUD. L'autre nouvelle, Assemblée parlementaire francophonie APF, mettez bout mardi 25 septembre là dans séminaire de journée été organisé pour députés, sénateurs et cadres parlementaires. Séminaire ça a été déroulé sous thème Parlement et démocratie. Représentants Assemblée parlementaire francophonie yo échangé avec parlementaires haïtiens yo à cadres parlement sous plusieurs thématiques qui gagnent pour avec bon fonctionnement yon parlement. Président Sénat Joseph Lambert exprimé satisfaction li pour échange ça yo qui date après l'IPRAL permet parlement haïtien fonctionner plus bien. Nous extrait dans le micro, fait bien confident avec Moïse Ulbrich. Ces deux jours, et on a eu l'occasion de débattre et de traiter de plusieurs thèmes. L'idée générale, c'est de voir comment on peut, à travers bien sûr les expériences acquises et faites par les différents parlementaires de l'Afrique, de l'Europe et de l'Amérique, comment ils fonctionnent, et de permettre aussi à ces parlementaires de partager leurs expériences avec nous autres et de faire aussi un parallèle entre leurs expériences et les nôtres. Et durant ces deux jours, on a débattu de plusieurs thèmes. Dossier santé dans le cadre mois sensibilisation sur cancer infantile, responsable l'hôpital Saint-Damien a réalisé une journée porte l'ouvri lundi 24 septembre 2018 là. À travers activité ça, initiateurs ont visé sensibiliser population sur cancer infantile pour bailler information sur toute qualité cancer qui a atteint Timo. Nous invitons à suivre. Selon responsable oncologie l'hôpital Saint-Damien, Pascal Yola Gassan, il y a plusieurs types de cancers qui ont atteint tout le monde. De l'autre côté, il précise que cancer dans le sang, les yeux, c'est parmi divers cancers qui sont plus fréquents dans la caille de tout le monde. Pendant qu'il explique que chaque cancer a une façon de manifester. Il y a une maladie leucémie, comme on dit là. Ok, il y a un cancer dans la tête. Ok, il y aurait un cancer du système nerveux central. Ok, il y a un cancer dans les yeux. Généralement, tout le monde a un reflet blanchâtre dans les yeux. Ok, on peut penser que c'est yeux chats ou bien belles yeux que le gagne. Alors que en réalité, soit on regarde ces maladies, c'est cancer là qu'on regarde. Ok, il y a des gens qui ont des yeux verrons. Ok, grand l'âge ou des yeux verrons. Ou pas ta supposé gen yeux verrons, ça pas vle di obligatoirement c'est maladie cancer, mais faut aller ka docteur, OK, qui pour vous faire des tests, des examens plus poussés qui pour ka djou si en réalité c'est une maladie cancer ou non. Plus loin, responsable oncologie a fait connaître sorti 2004 rive jodi a dans l'hôpital Saint-Damien yo recensé 554 timoun qui gen cancer. Dans l'hôpital Saint-Damien depuis n'a travaille depuis 2004 parce que nous rentré ici là en 2003. OK, depuis de 2004 à nos jours, nous recensé 500
558 timoun avec cancer, OK? Dans 558 timoun sa yo, gen 123 à peu près 123 timoun qui gen maladie cancer dans sang, OK? Et nous gagnons à peu près 117 timoun qui gagnent maladie cancer dans rein. Nous gagnons 82 timoun qui gagnent maladie et cancer dans yeux ou du moins rétinoblastome et nous gagnons l'autre type de cancer. Toujours d'après responsable dans l'hôpital Saint-Damien, il fait prise en charge pour timoun qui gagnent cancer. Yo recevoir ti moun soti 0 rive 14 l'année. Yo ba yo encadrement psychosocial. Yo gen 17 cabane. Maladie cancer en lui-même pas synonyme de mort parce que de pou di moun il fait cancer et moun n'a presque mourir, ti moun n'a pas mourir. Non. OK? Il pas synonyme de mort mais ceci li implique en pile bagaille. OK? Et tant et ou diagnostiquer et cancer de manière tardive moins ou gain chance pour guérir, d'accord. Et gain plusieurs types de traitement, OK, gain chimiothérapie, gain radiothérapie, gain chirurgie, gain hormonothérapie, gain immunothérapie. Qu'on y a depuis plusieurs années à parler de plus en plus de thérapie ciblée. Mais en Haïti, de ce qui ça nous dispose, OK, nous dispose de chimiothérapie. OK, ce sont des médicaments OK contre les cellules cancéreuses OK que nous baille l'an 20 moun là ou bien l'on ti appareil bien spécial OK les veines là difficile pour joindre ou bien ti moun là doit boire li tout OK et c'est pas toute maladie cancer qui gagne opération là-dedans par exemple ou maladie leucémie c'est cancer dans le sang ou pas qu'à opérer OK nous même en Haïti ça nous fait OK dès que nous fait diagnostic nous poser diagnostic là nous bali chimiothérapie c'est-à-dire nous bal médicament gagne ces médicaments dans veine et gagne l'autre ces médicaments veine et puis pour boin OK et puis gagne un type leucémie également qui les cellules cancéreuses yo gen tan ale en dan tête ti moun la et li nécessité de yon contrôle local OK que rele radiothérapie les ça nous voyons au Saint-Domingue parce que nous gon collaboration nous son structure que nous monté et pour le moment nous pas gen radiothérapie disponible en pays donc nous obligé voyer ti moun qui besoin radiothérapie yo nous voyons au Saint-Domingue mais nous envie qui sène bay ti moun yo tété bay au vaccin c'est parmi divers conseils initiateur pour parents yo pendant yo encourager tout parent mené timoun yo al wè docteur depuis yo malade pour éviter complications ça cap aider protéger et puis sauver la vie timoun yo n'après un coup de pause pas déplacer n'ap tourné dans page internationale la mardi 25 septembre nan occasion 73e assemblée générale Nations Unies président français Emmanuel Macron plaider pour dialogue à coopération entre états yo pour régler crise profond yo li plaider tout pour un nouveau humanisme Betty Abdino plus Loa sa ki pi fwa, se ekspresyon ki repete pi plis nan diskou prezident franse a devan asamble general la. Loa sa dapre prezident Macron, se an tentasyon pou chak eta suiv prop chemen pal. Se wout inilateralis la ki menen direktman nan interè personel la konflik pase nan konfrontasyon generalize pizi a kontiyone pou tan kap detwyo anko. Dapre chef l'état français ali important pour yo pas intensifier tension régionale yo Emmanuel Macron a fait référence à crise iranienne tokay américaine Donald Trump mandé pour isoler Téhéran sous scène internationale là Macron rappelé unilatéralisme mené directement dans égoïsme à conflit Sport, ministre sport Edwin Charles rencontré hier matin dans range Croix des Bouquets, membre sélection football handicapé qui pral représenter Haïti dans Coupe du monde football qui a déroulé dans pays Mexique, sorti 24 octobre pour arriver 5 novembre 2018. À l'étranger, Coupe de la Ligue anglaise, troisième tour, Manchester United éliminé par Derby County dans tir au but 8-7, alors que Manchester City qualifié pour prochain tour côté li bat Oxford 3-0. Nous invitons aussi. Nouveau ministre Poa, maître Edwin Charles, rencontré avec sélection haïtienne football amputée dans Range Croix des Bouquets, journée mardi 25 septembre 2018. La rencontre ça réalisé dans l'idée
pour ministre disputé avec dirigeant sélection haïtienne football amputée pour qui façon ministre est capable accompagner puisque dans date en 24 octobre cap venir là pour arriver 5 novembre 2018 là sélection pour représenter pays d'Haïti dans Coupe du monde dans football handicapé dans pays Mexique. Je vous dis à nous estimer qu'il est important pour nous faire appel avec sélection des amputés justement pour nous capable connait un problème. Nous tendez dans radio qu'a parlé, nous tendez yo même tout yo t'ai écrit nous. Bon, c'est pas de cause moi même mais c'était depuis peut-être le mois d'août. Yo t'ai voyé en correspondance ici à dans ministère là justement pour être capable prendre problème yo en charge. Nous même en tant que nouveau ministre qui vient là, nous estimer qu'il était important pour nous te faire appel avec yo pour nous comprendre problème yo et pour nous voir comment pour nous résoudre yo. Nous pour voir problème yo et nous dit mais comment nous allons résoudre. Certainement temps vraiment coûte parce que on vient pour aller dans semaine là mais nous dit tête nous le peu qu'il soit nous qui t'en prend en charge ça pour nous charger pour nous capable bailler solution avec difficulté que même y a pas enduré et nous connaît pas enduré. En plus il y a un petit problème au niveau de machine qui pour déplacer avec qui pour aller dans les portes nous te dit nous ça. Nous avons une machine qui est disponible pour nous. D'ici jeudi, qui va le prendre, accompagner, va le mettre dans les portes. Nous avons lundi tout pour activité comme ça, que la machine va le prendre, pour le déposer dans les portes. Enfin, nous pensons que nous avons une responsabilité que nous prenons. Parce que nous-mêmes, nous venons dans la boîte là, nous venons dans le ministère là, c'est essayer, avec le même moyen que nous gagnons, pour nous solutionner le problème. Pour que lorsque nous sommes dans le monde football là, en tant que jeunesse, action civique et sport, depuis c'est non ça on entend des faut nous entrer là-dedans pour nous accompagner. C'est un cas qui est extrêmement important pour nous. Et ça fait que dans ce moment-là, nous avons bien réunion avec toute fédération, notamment, comme nous connaissons que le secteur Sapoko une fédération parle, mais nous espérons que l'association doit faire après présenter pour nous capables de prendre un albol, pour nous capables de prendre une revendication, pour nous voir comment l'État est capable d'intervenir.